Nous avons vu ensemble depuis maintenant plus d'une journée les remarquables, extraordinaires capacités de l'oreille humaine et animale. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est une autre capacité de cette oreille, humaine et probablement animale, non plus à traiter un objet sonore, la parole ou la musique, mais à en traiter plusieurs en même temps, et particulièrement la parole d'un locuteur en présence d'autres signaux de parole interférents que nous appellerons alternativement masques ou bruit. S'il est un phénomène extrêmement remarquable, marquant pour le psychoacousticien que je suis, c'est le fait que la capacité à reconnaître la parole, l'intelligibilité de la parole en présence d'un brouhaha, en présence de bruit masquant, comme le brouhaha produit par tous ses convives, eh bien, est extrêmement résistante. L'intelligibilité de la parole dans le bruit est une faculté, une capacité extrêmement robuste, dit-on, qui témoigne, pour nous psychoacousticiens, de l'efficacité de ces mécanismes dont nous sommes équipés, mécanismes dits d'analyse de scène auditive, permettant de ségréger ou séparer la parole d'un locuteur cible, celui que nous voulons suivre et comprendre, en présence d'autres signaux de parole interférents, ceux que nous voulons ignorer au maximum. Donc il s'agit ici d'une faculté remarquable pour un certain nombre d'entre nous et que nous allons étudier ensemble. Voici, sur cette première diapositive, une illustration de cette faculté, cette capacité de robustesse de l'intelligibilité de la parole en présence de bruit de fond. Ici, les auteurs ont mesuré les performances de reconnaissance de syllabes sans signification en présence d'un bruit de fond stationnaire, dira-t-on, c'est-à-dire un bruit dont l'amplitude est constante comme celui produit par un climatiseur ou un ventilateur. Puis, pour les mêmes intensités, en présence d'un bruit de fond dont l'amplitude, l'énergie, va varier afin de mimer ce que produiraient 512 locuteurs interférents qui parleraient dans votre dos. 128, 64, 16, et on descend jusqu'à un locuteur. Donc nous avons construit ainsi des bruits masquants dont l'amplitude va fluctuer plus ou moins lentement, comme cela serait produit par un certain nombre de locuteurs interférents. Comme vous pouvez le voir, les performances de reconnaissance de parole, l'intelligibilité de la parole en présence de ces bruits masquants, stationnaires ici et fluctuants, s'améliorent substantiellement. Pour atteindre 50 points de pourcentage, c'est énorme en termes de performance de reconnaissance, on est quasiment au plafond, dans le cas où le bruit de fond interférent correspond à la parole d'un seul locuteur, une parole, une personne qui parle dans votre dos. Cette amélioration drastique, substantielle de l'intelligibilité dans le bruit, prend le nom de démasquage, ou masking release en anglais. Quels sont les mécanismes de démasquage ? Une revue de littérature démontre que cette faculté est extrêmement complexe et probablement fait intervenir 5 ou 6 mécanismes de très bas niveau sensoriel ou de très haut niveau cognitif. Néanmoins, l'essentiel de la littérature converge vers l'idée qu'un mécanisme, un processus auditif particulier semble être responsable de l'essentiel de cette amélioration de l'intelligibilité en bruit de fond, en présence d'un bruit de fond fluctuant. Voici les résultats d'une étude de simulation informatique réalisée par une équipe anglo-saxonne où les auteurs ont repris les mêmes signaux de parole que je vous ai présentés et les mêmes bruits masquants, mais les ont passés dans un modèle de cochlée, un modèle de système auditif périphérique, un modèle informatique qui mime les patrons de décharge neurales qu'on observerait dans un nerf auditif, l'axe vertical représenterait en quelque sorte l'axe tonotopique dans votre nerf auditif, et ceci en fonction du temps, en abscisse. Donc voilà la réponse de votre nerf auditif en réponse à ces syllabes sans signification. Et voici cette même réponse en réponse à des bruits stationnaires, des bruits fluctuants correspondant à 8 locuteurs ou à 1 locuteur. Et là, les auteurs ont tenté de calculer et représenter ici, dans ce plan temps-fréquence, qui est l'espace, si vous voulez, d'activité du nerf auditif, ils ont représenté les portions de ces signaux de parole qui surnagent par rapport à ce bruit en se donnant un critère arbitraire, c'est-à-dire quelles sont les parties du signal de parole qui sont de 3 décibels supérieurs au niveau du bruit dans cet espace-là. Comme vous pouvez le voir, lorsque le bruit est stationnaire, les portions de signal de parole surnageant
dans ce bruit masquant sont extrêmement rares et extrêmement circonscrites. Par contre, à mesure que le nombre de locuteurs interférents diminue pour atteindre un locuteur, ces îlots de signaux de parole s'étendent et augmentent en nombre, suggérant qu'un grand nombre d'informations linguistiques sont disponibles pour peu que le système auditif de la personne soit capable d'aller pêcher ces informations partielles. La suggestion est faite que la robustesse de l'intelligibilité de la parole en présence de bruits fluctuants se construirait sur des informations partielles, des segments d'informations, des bribes d'informations de parole que votre système auditif serait à même de pêcher, littéralement, dans ces vallées des bruits de fond. Il s'agit de considérer, en quelque sorte, le paysage acoustique qui frappe vos tympans comme étant constitué de pics d'énergie, les maxima d'intensité du bruit de fond, et de vallées. L'idée que j'essaye de vous vendre, en quelque sorte, est que le système auditif est capable de suivre ce paysage acoustique, ses pics et ses vallées, et va se concentrer dans les vallées du bruit de fond pour aller pêcher le signal de parole qui l'intéresse. La stratégie d'écoute dans les vallées serait responsable de ce phénomène de démasquage. Et vous l'avez compris, ce phénomène de démasquage correspond à une situation extrêmement écologique, c'est votre quotidien. Une preuve, qui n'est pas fournie par l'expérimentation mais par la modélisation informatique, de cette stratégie d'écoute dans les vallées, a été fournie par ces mêmes équipes anglo-saxonnes. Il s'agissait ici de reprendre nos signaux de parole et nos bruits de fond et de les passer par un modèle de système auditif périphérique à nouveau. À partir de la représentation neurale du bruit, d'identifier ces vallées dans le bruit de fond, d'en informer la chaîne de traitement parallèle des signaux de parole pour dire là, il y a de l'information. Sur la base de ces informations partielles de paroles pêchées dans les vallées du bruit de fond, l'information est envoyée vers un système de reconnaissance automatique de paroles, tel que nos ingénieurs savent très bien le faire. Et comme vous pouvez le voir, les performances simulées de ce modèle d'écoute dans les vallées s'ajustent extrêmement bien aux performances des sujets normaux entendants, tels que mesurés par ailleurs. Ce qui suggère que, ma foi, le système auditif serait effectivement capable d'aller écouter dans ces vallées spectro-temporelles des bruits de fond de façon à optimiser l'intelligibilité dans le bruit et assurer cette grande robustesse. Néanmoins, la messe n'est pas dite. Deux questions, au moins deux grandes questions, et peut-être bien d'autres, résident. Effectivement, première question, qu'est-ce qu'une vallée pour le système auditif humain ? Là, je vous ai parlé de modèle informatique, aveugle. Mais est-ce que la structure de notre système auditif, périphérique ou central, contraint cette stratégie d'écoute ? Ou est-ce que la structure du signal linguistique, du signal phonétique, contraint également cette stratégie d'écoute ? Ou est-ce qu'une combinaison des deux contraint cette capacité d'écoute ? Deuxième question, oui, mais comment savons-nous qu'il y a bien de la parole dans cette vallée-là ? Car le signal parole lui-même présente des pics et des vallées. Certains indices auditifs signalent-ils la présence d'informations de parole dans ces vallées ? Revenons au modèle informatique d'écoute dans les vallées. Il y a tricherie. Le modèle a accès au signal de parole et a accès au bruit, ce qui lui permet d'identifier la présence de ces vallées et d'en informer la chaîne de traitement de la parole. Dans la réalité, parole et bruit sont mélangés, additionnés et attaquent simultanément vos tympans. Vous n'avez pas un accès séparé à la structure du bruit. Ce qui signifie que votre système auditif va avoir cette noble tâche que de trouver des indices lui permettant ou lui indiquant que de la parole se trouve dans ces mêmes vallées. Alors, pour répondre ou tenter de répondre à la première question, les psychoacousticiens ont remplacé ces signaux complexes, ces bruits masquants complexes, par de simples bruits fluctuants à une cadence donnée que l'on va faire varier, que l'on va accélérer de quelques hertz, quelques fluctuations par seconde, à quelques dizaines ou centaines de hertz, comme c'est le cas ici. Les auteurs ici ont mesuré à nouveau l'intelligibilité de syllabes sans signification en présence de ces bruits stationnaires et de ces bruits fluctuants et calculé l'amélioration d'intelligibilité obtenue dans ces situations par rapport à celle-là, ce que l'on appelle le degré de démasquage. Comme vous pouvez le voir, sur des personnes normo-entendantes jeunes ou âgées, la courbe de démasquage
pique en un point précis, c'est-à-dire pour une cadence de fluctuation du bruit de fond très précise de l'ordre de 8 Hz, ce qui nous fait des vallées dans le bruit de fond de l'ordre de 60 millièmes de seconde. La stratégie d'écoute dans les vallées ferait appel à une fenêtre temporelle optimale de 60 millièmes de seconde. Est-ce que cette fenêtre renvoie à des caractéristiques temporelles précises du signal de parole ou à des contraintes de traitement temporel du système auditif ? La question est encore à ce jour posée. Tentons maintenant de répondre à la deuxième question. Quels indices auditifs nous signalent la présence de paroles dans ces bruits de fond fluctuants ? Alors, Christine Petit vous a hier rendu familier avec les indices, les différents types d'indices qu'un système auditif périphérique va fournir au centre auditif. Vous savez maintenant que la cochlée, l'organe sensoriel auditif, décompose les sons incidents en un certain nombre de fréquences constitutives, car cette même cochlée se comporte comme une batterie de filtres sélectifs écoutant chacun une fréquence audio spécifique. Lorsque des signaux de parole tels que cette voyelle I présentée dans le silence ou noyée dans un bruit sont passés par cette cochlée et donc par cette batterie de filtres, cela conduit dans votre nerf auditif à une sorte de représentation spectrale, une sorte de cliché ou d'instantané de la distribution d'activité en fonction de la fréquence préférentielle des fibres nerveuses, qui nous indique effectivement la présence d'informations clés dans ce signal. On voit ici les pics d'énergie typiques de la voyelle I les formant. Ces pics sont encore relativement présents en présence et identifiables en présence de bruit de fond, mais il est clair qu'à un certain moment, ils vont disparaître et être noyés dans la réponse au bruit de fond. Donc effectivement, notre système auditif périphérique nous fournit des indices spectraux grâce à cette propriété de décomposition fréquentielle cochléaire. Est-ce que ces indices sont clés dans l'écoute dans les vallées ? C'est une première question. Par ailleurs, très récemment, les psychophysiciens et neurophysiologistes ont réalisé une forme de changement de point de vue pour ne plus se concentrer sur cette capacité d'analyse fréquentielle cochléaire, qui est une capacité essentielle de l'oreille, et se tourner vers les propriétés d'analyse temporelle de ce système auditif périphérique. Voici ici la simulation de la sortie de ces filtres cochléaires que je vous ai présentés ici en réponse à une syllabe « ga ». L'axe des ordonnées représente les différents points de la carte tonotopique, ou si vous voulez, les différentes fréquences préférentielles auxquelles répondent vos fibres nerveuses, en fonction du temps, en réponse à cette syllabe « ga » présentée dans le silence ou dans un bruit stationnaire. Comme vous pouvez le voir, le signal va activer plus ou moins certains filtres au vu de la distribution fréquentielle de l'énergie dans ces signaux. Mais, par ailleurs, le décours temporel de la sortie de ces filtres cochléaires n'est pas plat. Vous voyez que si je prends la sortie de ce filtre cochléaire qui répond en basse fréquence audio, cette sortie présente des fluctuations relativement lentes, des modulations lentes de l'amplitude, modulation d'amplitude que l'on appelle également enveloppe temporelle, appliquées à des oscillations beaucoup plus rapides, proches de la fréquence centrale du filtre, des informations de modulation de fréquence et que l'on caractérisera du nom de structure temporelle fine. Il s'agit ici de reconsidérer la sortie de notre système auditif périphérique comme étant constituée par une série de signaux à la fois modulés en amplitude et en fréquence. C'est le schéma que nous allons conserver tout au long de ma présentation. Alors, les électrophysiologistes viennent au secours des psychophysiciens pour dire « Oui, cette représentation, cette décomposition possible du signal au sein du système auditif périphérique fait sens, car nous savons que lorsque l'on présente un son pur modulé en amplitude à des fibres du nerf auditif, si l'on enregistre les trains de potentiel d'action en réponse à ces signaux, on s'aperçoit que la probabilité de décharge de ces fibres nerveuses, la probabilité de décharge va être extrêmement bien synchronisée, tant sur la structure fine de ce signal, comme c'est présenté par les traits régulièrement espacés ici, que sur l'enveloppe, les fluctuations plus lentes de ce signal. En d'autres termes, les fibres du nerf auditif sont capables de synchroniser leur décharge sur cette structure fine et sur cette enveloppe. Le système auditif périphérique serait de facto capable d'une analyse temporelle multi-échelle, en quelque sorte, des signaux acoustiques incidents.
Je vous propose donc une nouvelle dichotomie au sein du domaine temps qui aurait une pertinence sur le plan psychophysique et sur le plan neurophysiologique. Comment étudier maintenant le rôle de ces indices auditifs, spectraux et temporels dans la reconnaissance de la parole et particulièrement en présence de bruit de fond? Eh bien, les psychoacousticiens, depuis une dizaine d'années, ont adopté un outil extrêmement simple que les Bell Labs, dans les années 40, avaient développé et que l'on dénomme vocodeurs. Les vocodeurs étaient des simples systèmes de synthèse de parole, développés entre autres par Dudley ou Flanagan, qui prennent le signal de parole en entrée, le décomposent en une série de filtres, comme votre oreille, puis, en sortie de chaque filtre, appliquent une décomposition qui peut extraire, si l'on le désire, les fluctuations d'amplitude, la modulation d'amplitude ou l'enveloppe temporelle, ou les fluctuations plus rapides, les modulations de fréquence. Une recombinaison est réalisée, selon la volonté de l'expérimentateur, les signaux sont sommés, nous avons un signal qui va présenter l'enveloppe temporelle d'origine, ou la structure fine, ou une combinaison des deux. Lorsque l'on mesure l'intelligibilité de syllabes sans signification ou de phrases traitées par ces vocodeurs qui ont été paramétrés d'une manière telle qu'on ne transmet que les fluctuations les plus lentes des signaux de parole, les modulations d'amplitude, au sein de chaque bande de fréquence, on s'aperçoit qu'après quelques heures d'entraînement, les sujets normands entendants atteignent quasiment 100% d'intelligibilité. Les indices extrêmement lents de modulation d'amplitude ou d'enveloppe temporelle suffisent à une très bonne intelligibilité de la parole. Il est intéressant de noter que ces indices de modulation d'amplitude sont pour l'essentiel de l'ordre de quelques hertz, ce qui correspond au débit syllabique dans la parole en continu. Je parle à peu près 3-4 syllabes par seconde. Donc voilà le type d'information véhiculée par les fibres de votre nerf auditif grâce à ce code de synchronisation temporelle qui suffisent pour obtenir une bonne intelligibilité dans le silence. Qu'en est-il dans le bruit? Eh bien, d'autres auteurs ont tenté de mesurer ces capacités de démasquage de la parole avec ces syllabes sans signification, plongées dans un bruit stationnaire ou un bruit fluctuant, dont le contraste va être augmenté de 0, bruit stationnaire, à 100%, comme c'est représenté ici. L'intelligibilité de ces signaux de parole noyés dans les bruits non traités s'améliore notamment avec le contraste. Nous avons un bel effet de démasquage que vous connaissez maintenant. Si maintenant les mixtures, ces mélanges paroles et bruits sont vocodés de façon à ne préserver que l'enveloppe et dégrader la structure fine, l'intelligibilité va certes continuer à croître en fonction du contraste des fluctuations, mais, comme vous pouvez le voir, la pente est beaucoup moins raide et l'intelligibilité ou le phénomène de démasquage sera réduit significativement par rapport à la condition où la structure fine est présente. Alors ceci nous dit deux choses. Ceci nous dit que les indices spectraux jouent quand même un rôle et les indices d'enveloppe jouent quand même un rôle dans le démasquage, mais néanmoins, ces informations de structure temporelle fine, ces informations temporelles extrêmement rapides, véhiculées par les propriétés de synchronisation du nerf auditif, jouent un rôle dans l'écoute dans les vallées des bruits. Et on retrouve cet effet lorsqu'on se concentre non seulement sur les performances, mais sur l'information reçue par les sujets dans le domaine phonétique. Une autre preuve du rôle des informations de structure fine ou de modulation de fréquence dans le phénomène de démasquage a été produite par une équipe de Cambridge, où cette fois-ci, les auteurs ont présenté les mixtures, les mélanges paroles et bruit de fond, si vous voulez, passés par un vocodeur qui dégradait les informations de structure fine en commençant par les hautes fréquences pour aller progressivement vers les basses fréquences, des aigus aux graves, si vous le désirez. Voici les résultats obtenus par cette équipe avec des sujets normands entendants. Ici, on ne mesure pas des performances, mais un niveau de bruit tel que les sujets identifient correctement un mot sur deux. Mauvaise intelligibilité en haut, bonne intelligibilité en bas. Comme vous pouvez le voir, le fait d'enlever progressivement les informations de structure fine en commençant par les hautes fréquences n'a pas d'impact sur l'intelligibilité. Par contre, dès que l'on commence à entamer les informations de structure fine, à enlever ces informations de structure temporelle fine en dessous de 1500 Hz, eh bien, l'intelligibilité se dégrade substantiellement. Et ce résultat est très intéressant dans la mesure où il est extrêmement conforme avec les données de l'électrophysiologie animale unitaire, qui nous indique que ces capacités de synchronisation neurale
dans le nerf auditif sur la structure fine des sons est optimale jusqu'à à peu près 1500 Hz, comme c'est représenté ici par cet index de synchronisation qui va de 0 à 1, pour se dégrader au-delà de 1500 Hz et être aboli au-dessus de 5 kHz. Christine Petit nous l'avait indiqué hier. Donc ces résultats obtenus en psychoacoustique avec vocodeurs sont conformes avec les données de l'électrophysiologie animale. On peut pousser plus avant l'investigation du rôle des informations de structure fine dans le phénomène de démasquage en mesurant l'intelligibilité de phrases en présence d'un bruit de fond pour différents niveaux du bruit, donc des phrases interférentes extrêmement amples, un rapport signal sur bruit très défavorable ou dans le silence. Et ceci en injectant, grâce à ce vocodeur, de plus en plus de structures fines au sein du mélange, à savoir des informations de structure fine comprises dans la bande 0,5 Hz, donc assez lente, puis dans la bande 0,50 Hz, un peu plus rapide, puis dans la bande 0,400 Hz, encore plus rapide. Donc, en quelque sorte, on transmet des informations de structure fine de plus en plus rapides. Que se passe-t-il ? Eh bien, les performances de reconnaissance des phrases cibles, comme vous le voyez, particulièrement lorsque le bruit de fond est très intense, augmentent substantiellement, de plusieurs dizaines de points, lorsqu'on injecte ces informations de structure fine de manière croissante, d'ici 0,5 Hz jusque-là à 0,400. Alors, probablement que vous aimeriez avoir une idée de ce que ça représente auditivement, que l'injection progressive de ces informations de structure fine. Pour rentrer bien dans les canons de ce colloque sur la parole et le chant, je n'ai pas choisi des signaux de parole, j'ai choisi un signal de parole, oui, mais extrait d'un segment musical et qui devrait vous être familier si vous avez eu à peu près 20 ans dans le milieu des années 60. Donc voici la version de ce segment musical passé par le vocodeur sans structure fine. Donc je vais vous mettre en simulation. Vous allez voir d'un plan cochléaire, c'est-à-dire dans une situation où je ne vous transmets que ces informations lentes d'enveloppe. Alors, c'est jamais très agréable la première fois. Je vous demanderai de vous concentrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans ce segment, la parole du chanteur commence dans le silence, puis les instruments du groupe le rejoignent, clavier, batterie, guitare, et on passe d'une situation silencieuse à une situation de bruit. Injectons un peu plus de... Il n'y avait pas de structure fine ici. Injectons maintenant de la structure fine dans la bande 0,5 Hz, les informations les plus lentes. Il n'y avait que des amateurs des Rolling Stones apparemment chez vous. Passons à la bande 0,64. Des Rolling Stones, définitivement. Non ? Ah, je suis rassuré. Passons aux fluctuations de structure fine les plus rapides. Merci. Les champs de fraises pour toujours. Donc, voilà une illustration du pouvoir, du rôle de ces indices auditif très rapide de structure fine véhiculée par un code neural de nature purement temporelle et qui nous permettent d'identifier le fait qu'il y a de la parole, il y a quelque chose d'important qui se passe dans la vallée du bruit de fond. Que se passe-t-il maintenant lorsque la cochlée fait l'objet d'agressions de nature diverse, génétique, virale, autotoxique, traumatique ? Des lésions vont avoir lieu, détruire plus ou moins sélectivement des cellules ciliées dans l'oreille interne, externe ou interne, et conduire à une perte auditive neurosensorielle, légère, modérée ou sévère. Le vieillissement naturel produit également ce type de dégâts. Bien sûr, la lésion cochléaire va engendrer un trouble d'audibilité, on va entendre les sons moins forts, tout le monde le sait. Mais plus avant, elle va produire des difficultés accrues d'intelligibilité de la parole en présence de bruit de fond. Beaucoup d'entre vous en font l'expérience au restaurant ou en réunion familiale. Ceci est traduit sur cette étude de Bronckhorst et Plompe, où à nouveau les auteurs ont mesuré l'intelligibilité en présence d'un bruit de fond.
à savoir le plus petit niveau du bruit de fond tel qu'on identifie correctement un mot sur deux. Alors attention, la bonne intelligibilité est en haut, cette fois-ci dans le graphique. Chez des sujets normands entendants, en présence d'un bruit stationnaire et d'un brouhaha produit par 6, 4, 2 et 1 locuteur. Vous voyez, l'intelligibilité s'améliore notablement, démasquage, lorsque un locuteur constitue le bruit de fond. Qu'en est-il des sujets malentendants ? Eh bien, l'intelligibilité est certes dégradée en présence de bruit, mais il n'y a plus d'effet significatif de la structure temporelle ou du nombre de locuteurs présents dans le bruit de fond. Les sujets malentendants semblent incapables d'aller écouter dans les vallées spectro-temporelles des bruits de fond. Et ceci constituerait l'essentiel, probablement, du handicap, de la difficulté des sujets malentendants en présence du bruit de fond, ce qui veut dire que dans la plupart des situations naturelles d'écoute écologique où un sujet normand-entendant serait à 100% de compréhension, la plupart des sujets malentendants sont en plancher. Et peut-être certains d'entre vous vivent cela tous les jours. Alors, on peut tenter de recaractériser plus précisément ce phénomène d'écoute dans les vallées, dans les surdités neurosensorielles. Je représente mes bruits fluctuants à différentes cadences et mes bruits stationnaires à mes patients, cette fois-ci malentendants. Et qu'est-ce que j'observe lorsque l'audibilité est compensée, lorsque j'amplifie les sons malgré tout? Eh bien, il n'y a plus cette dépendance vis-à-vis des cadences de fluctuation. Vous voyez que le démasquage est réduit, voire aboli. Et je n'observe plus ce démasquage optimal autour de 60 millièmes de seconde. Le groupe de Cambridge a repris son paradigme de mesure d'intelligibilité de phrases en présence de bruits fluctuants. Chez des patients présentant une surdité neurosensorielle modérée sévère, avec ces mêmes signaux de parole et de bruit vocodés de façon à enlever progressivement les informations de structure fine des hautes fréquences vers les basses fréquences. Vous vous rappelez que chez les normands entendants, cela produisait une amélioration drastique d'intelligibilité lorsqu'on injecte les informations de structure fine dans cette région en dessous de 1500 Hz. Chez nos malentendants, pour l'essentiel d'entre eux, le fait d'injecter ou d'enlever de la structure fine n'a quasiment aucun effet. Ils sont sourds à la contribution de ces informations temporelles, comme s'ils étaient incapables d'utiliser ces informations de synchronisation que leur nerf auditif leur fournit à leur centre. Un autre faisceau d'éléments empiriques corroborant l'hypothèse selon laquelle les informations temporelles rapides jouent un rôle clé dans l'écoute dans les vallées des bruits est produit par des études audiologiques réalisées avec des patients porteurs d'un implant cochléaire, un dispositif électronique qui vient stimuler électriquement et directement les fibres du nerf auditif, comme c'est représenté ici, lorsque les cellules ciliées sont totalement détruites et lorsqu'il n'y a plus d'audition résiduelle. Le processeur vocal, le système de traitement d'un implant cochléaire, en fait, est tout à fait identique à un vocodeur d'enveloppe. Il décompose les sons en bandes de fréquence, extrait les modulations d'amplitude, se débarrasse des modulations de fréquence ou de la structure fine, qu'il remplace par un train d'impulsion électrique à cadence fixe, pour aller ensuite stimuler électriquement et directement différents points du nerf auditif en tentant de respecter, du mieux qu'il peut le faire, la tonotopie cochléaire. Ces patients implantés cochléaires peuvent atteindre jusqu'à 90% d'intelligibilité de la parole dans le silence, conformément aux données psychophysiques que je vous ai montrées avec des vocodeurs d'enveloppe. Qu'en est-il dans le bruit ? Alors voilà des données issues d'une équipe de Los Angeles où l'intelligibilité de phrases en présence de bruit de fond a été mesurée en présence d'un bruit stationnaire ici, puis d'un bruit présentant des fluctuations temporelles de plus en plus lentes. Vous avez à nouveau ce phénomène de démasquage, qui là est plutôt autour de 6 Hz peut-être. Chez nos normands entendants, chez nos implantés cochléaires, l'intelligibilité est certes moindre en présence de bruit de fond stationnaire, mais il y avait largement suffisamment de marge pour mesurer des effets, et comme vous pouvez le voir, le fait de faire varier la cadence de fluctuation du bruit de fond n'a aucun effet sur l'intelligibilité de ces personnes. Ce qui témoigne à nouveau du rôle des informations de structure fine, puisqu'elles ne sont pas transmises par le processeur vocal, dans l'écoute dans les vallées. Enfin, dernière étude que je désirais vous présenter, eh bien c'est une étude complémentaire où cette fois-ci, on a éteint la voie enveloppe des vocodeurs pour n'activer que la voie structure fine, et nous avions ici vocodé des syllabes sans signification de façon à ne produire et à ne conserver que les informations de structure fine.
c'est des signaux à enveloppe temporelle plate. Alors, vous allez écouter cela, ce n'est pas très agréable à nouveau. Alors, nous avions testé l'intelligibilité de syllabes, non pas des Beatles, sans signification dans le silence, chez des sujets normaux entendant jeunes et des sujets présentant une surdité neurosensorielle modérée et plate, jeunes ou âgés. Et leurs audiogrammes sont présentés ici. Ce que nous avons observé, c'est que l'intelligibilité de ces syllabes sans signification s'améliorait drastiquement avec l'entraînement pour atteindre 90% dans le silence chez nos sujets normaux entendants jeunes, témoignant d'une capacité à utiliser les informations de structure fine pour comprendre la parole. Chez nos sujets malentendants, aucun effet d'entraînement, la plupart des sujets malentendants, particulièrement les plus âgés, étant très proches du hasard, incapables d'utiliser ces informations de structure fine pour identifier le contenu linguistique. Les sujets les plus jeunes présentant des capacités résiduelles, variables, mais ne dépassant pas 20% d'intelligibilité dans le silence. Par comparaison, ces mêmes sujets normaux et malentendants étaient indistinguables dans leur faculté à comprendre ces mêmes syllabes non traitées dans le silence. Donc, ces personnes avaient 100% quasiment d'intelligibilité de signaux naturels non traités dans le silence. Et ils présentaient également des performances indistinguables, qu'ils soient normaux ou malentendants, lorsque les signaux sont vocodés de façon à ne préserver que l'enveloppe. Ce qui était également très intéressant dans cette étude, c'est que pour ces sujets malentendants les plus jeunes présentant des capacités résiduelles de reconnaissance des signaux de structure fine, eh bien, nous avons observé également les meilleures capacités de démasquage mesurées par ailleurs chez ce petit groupe. C'est-à-dire que les capacités de démasquage de signaux de parole, donc dans le bruit, étaient corrélées aux capacités à utiliser les informations de structure fine. Donc tout cela conformément à l'idée selon laquelle ces informations temporelles extrêmement rapides seraient impliquées dans l'identification des vallées, le fait d'avoir de la parole dans les vallées, et dans le phénomène de démasquage, et que des lésions cochléaires dégradent ce même mécanisme de synchronisation ou cette capacité à utiliser les informations de synchronisation, ce qui change d'une certaine manière notre vue, notre compréhension du trouble cochléaire et de la surdité neurosensorielle. Pour conclure, donc, quelle organisation auditive de la compréhension orale pour nous psychoacousticiens ? Eh bien, le schéma consiste ici à accepter que le signal de parole est un signal porteuse, en quelque sorte, qui vient porter des modulations d'amplitude et de fréquence, comme nous l'avait suggéré Dudley dans les années 40. Ce schéma reste encore d'actualité. Mais à partir du moment où nous avons accepté l'idée que le signal de parole est un signal porteur de modulation, cela signifie que nous devons accepter l'idée que le système auditif, et particulièrement le système auditif central, est un système de démodulation. Il faut ensuite extraire ces modulations d'amplitude et de fréquence au sein de chaque bande. Le module chargé de l'extraction des modulations d'amplitude extrairait l'information phonétique, l'information en soi. Le module chargé de l'extraction des modulations de fréquence ou de la structure fine serait chargé de l'analyse de la scène, d'améliorer le rapport signal sur bruit interne. Ce serait donc un module essentiel pour la ségrégation auditive. Et pour faire le pendant avec les 10 grandes dimensions de la perception auditive que sont hauteur et rythme, vous l'avez peut-être perçu, je n'ai pas mis l'emphase dessus volontairement, les informations d'enveloppe semblent véhiculer essentiellement des informations auditives de type rythmique, alors que les informations de structure fine semblent véhiculer des informations essentiellement de type mélodique. Et pour vous en convaincre, je vous jouerai un morceau classique qui a été vocodé de façon à ne préserver que l'enveloppe d'un côté et que la structure fine. Vous avez déjà une idée de la structure temporelle, même si elle est relativement vague, dans un morceau que l'on penserait extrêmement saillant sur le plan rythmique. Et voilà la version vocodée structure fine. Cette sensation de rythmicité importante de la cinquième de Beethoven serait essentiellement véhiculée par le rail mélodique plutôt que par les informations d'enveloppe, les informations rythmiques stricto sensu.
Comment fonctionne ce système de démodulation centrale? Nous ne le savons pas encore réellement. Nous savons que pour ce qui est de l'extraction de l'enveloppe, il est très dépendant des capacités de synchronisation des neurones corticaux sur les modulations d'amplitude. Les données de stéréoélectroencéphalographie obtenues sur des patients épileptiques porteurs d'électrodes intracrâniennes démontrent que les populations neurales au niveau du cortex auditif primaire ou secondaire sont capables de présenter des décharges extrêmement synchronisées sur l'enveloppe et très sélectives pour des cadences de l'ordre de 4 à 16 Hz, qui correspond exactement aux fluctuations d'enveloppe les plus saillantes dans la parole. Pour ce qui est de la représentation corticale de la modulation de fréquence, c'est encore un sujet de discussion et d'étude. Une étude de neuroimagerie visant à comparer la représentation corticale à la modulation d'amplitude et à la modulation de fréquence, réalisée par l'Institut de recherche en audition à Nottingham, indique que les réponses corticales dans le cortex auditif primaire ou secondaire se recouvrent substantiellement pour ce qui est de ces deux features, ces deux traits, suggérant que peut-être à un niveau central, les représentations sont unifiées. Ça ne veut pas dire qu'à un niveau périphérique, enveloppe et structure fine ne soient pas traitées par des modules distincts dans le tronc cérébral. Voilà, donc l'intelligibilité de la parole dans le bruit est une capacité remarquable, c'est une capacité extrêmement robuste qui dépend des propriétés de synchronisation neurale auditive, donc d'informations essentiellement temporelles. C'est le renversement pour nous du point de vue dans le domaine de la psychoacoustique, très dominé par les traitements spectraux jusqu'à peu. Et il ne faut pas se fier à cette robustesse, c'est un phénomène d'une grande fragilité, puisque cette même cochlée ne contient que 3500 cellules sensorielles et chaque cellule perdue ne sera pas régénérée, tout au moins pour le moment. Merci de votre attention.